C'est une star. Ah ouais? Votre maman, c'est une star. Mes grands garçons, deux fois, ils sont un peu réticents. Maman, nos copines disent, je dis, hey, vos copines. Vos copines disent que quoi? Je dis, c'est moi d'abord. Hein. Copine. En tout cas, c'est moi. Hein. Ouais. C'était chaud au départ. Ouais. Parce que je ne comprenais rien. Il fallait, on parle dans mon oreille ici. Il dit, mais c'est quoi ça là? Je vais mettre libre. Et... avec mon collègue. Oui. Parce que Paul a vient de dire tout à l'heure que le monsieur a découvert une lettre. Mm-hmm. Depuis 20 ans, elle pouvait très bien jeter la lettre. Mais elle a gardé, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fidèle. Donc elle peut toujours faire. Venez d'ici vacances, c'est toujours un moment de plaisir, un moment de bonheur, un moment de partage. Aujourd'hui encore, nous allons vous emmener vers des horizons que vous allez découvrir au fur et à mesure. Elles seront là, elles sont belles, elles sont intellectuelles, elles sont physiquement au point. Paula va nous envoyer dans ses voyages, vous, vous, vous. Et Hachou va nous faire des choses que vous allez apprécier. Télé d'ici vacances, on commence maintenant. CNCI, bonsoir. Attends. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression que le public n'est pas là. Ils veulent danser. Attends, non, dis-leur bonsoir. Je vais voir s'ils sont bonsoir, là. Bonsoir, chers amis. Hey, Paula. Hey, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a Chou et Paula sont là, donc l'énergie est là, l'harmonie est là. Et aujourd'hui est un jour spécial. Nous allons commencer cette émission avec de très bonnes nouvelles. Mm-hmm. Il y en a deux, chacune va donner une des bonnes nouvelles. Et on va crier ensemble, il va se passer quelque chose que vous allez découvrir tout à l'heure. Alors, c'est quoi les bonnes nouvelles? Alors, moi, la première nouvelle, je dois me lever pour l'annoncer. Mm-hmm. Mais tout Facebook sait que c'est conseillé. Mm-hmm. Mon gars m'a fait parler bien moi à cause de ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cheikh Ivan. Sa chanson là, vous connaissez Petit Nouchi. Alors. Alors. Bon, ils sont deux. Alors. 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 Alors, boum, boum. Mais où est donc encore? Boum, 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 bande. Boum, de façon boum, balistiquement parlant, j'ai envie de souhaiter joyeux anniversaire à Sheila. Ils sont grands, ils sont fins, ils sont clairs. C'est leur anniversaire, je dis. Ouais. C'est ça. C'est ça, la télé d'ici vacances. On a Cheikh Ivan que tout le monde connaît bien. Que vous allez applaudir encore. Et puis, il y a M. Sila qui est le responsable des moyens généraux. Ah, voilà. Ça, la paix générale. Mmh. Moyens généraux. C'est bien ici, là. Nous, on a des moyens généraux. Oh, donc, si je comprends bien, c'est parce que c'est l'anniversaire de Cheikh Ivan que tu as fait retournement de alors, quand même, quoi. Ça, là, là, j'étais Cheikh Zongo Ivan. Bon, take care, take care. Yeah, take care now. Take care now.
Mesdames et messieurs, l'émission va commencer maintenant de façon sérieuse. Mm-hmm. Sérieusement sérieuse. Mm-hmm. Parce que nous allons aller dans l'audace. OK. Rapidement, c'est ça? Oui. Entièrement, totalement? Oui, oui, c'est ça. Mm. Alors, on a l'habitude de dire... Attends, je vais annoncer... Et Dieu, ah. Yachou! Ils ont... Osé! Ça a bloqué, peut me débloquer. Débloque-toi. Okay. D'accord. Alors, on a l'habitude de voir nos mamans où là-bas. Nos mamans, elles sont vraies. Tu vois, non? Le. Il n'y a pas dit le bon, mais comment on c'est dit, direct? Viens, chauffeur, ma bouche, on va pas direct, c'est pas bonne chose. Tu comprends, c'est non? Vrai. Elles ont ça, elles ont le vavadoum. Elles ont le postérieur bien rempli. Nos mamans africaines, là, c'est des vraies femmes. Mais les enfants qui ont. Elles ont le redombol. Les enfants qui ont les mamans qui ont le dasbogen. C'est les enfants bizarres, hein? Mm. Oui, parce que moi, ma petite soeur, elle aime que maman la mette au dos d'une manière. Même si j'avais un petit garçon derrière sa maman. Mm-mm. Quand la maman attend, ça va ce qu'il fait avec. Mm. T'as jamais vu? J'ai jamais vu. Regardez ça en image. We can enjoy. We can enjoy. Enjoyment. 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 L'enfant, et puis il va mettre ses jambes des deux côtés là. Mm. Comme la maman, comme moi, pour tu, ça a blessé un peu l'enfant. Non, il s'arrête en même temps dessus. Pour dire que maman, c'est bonne chose de maman qu'elle a. S'il te plaît, tu peux m'expliquer ce que ça veut dire. Garçon, il y a longtemps qu'il faut moi, pas bonne moi, chose. Moi, la seule question qui me vient dans la tête, c'est un enfant qui a grandi sur fesses, c'est quoi son avenir? Son avenir est derrière. Il a grandi, lui, tout son enfant, il était sur fesses. Mm. Fesses. C'est-à-dire que c'est fesses qu'il a. Hein, jusqu'à quelqu'un comme ça là. Demain, s'il ne construit pas maison, on va dire non, alors que c'est fesses. Bonne arrivée, les filles. Merci. Je suis content de vous voir. Je suis content de voir vos sourires. Et je suis content aussi de voir le public qui est là ce soir. Les amis, le voyage commence avec nos invités qui sont arrivés avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de concerts, on va parler de découvertes, on va aller au Congo, on va même revenir en Côte d'Ivoire, on va aller dans les salles de spectacle, on va louer Dieu. Et celle qui vient, elle va nous envoyer vers le côté spirituel de la spiritualité. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ce que je viens de dire, mais j'ai déjà dit. Voilà. Mesdames et messieurs, elle arrive avec une démarche somptueuse, mais une voix qui va avec une allure et un choix qu'elle a fait dans sa vie de chanter pour Dieu. Mm-hmm. Accueillons ensemble Miss Georgia. Non, elle doit danser. Attends, non, non, les gens qui sont dans la fête de Dieu maintenant, là, c'est pas comme avant votre époque, là. Voilà. Époque de qui? Ah, je suis aussi d'église. Ton époque. Je suis aussi d'église qu'on avait pour les moins bien acheter, là. Bonne arrivée, Georgia. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ah, très bien. Oh, vous êtes bien habillée. Est-ce qu'on vous a dit que vous ressemblez à une de nos collègues, de collègues ici? Non, non, pas du tout. Elle ressemble à qui? Pardon. Ma rédactrice, ça ne change pas, mais elle est problème. Elle ressemble à Sonia. C'est Sonia, ouais. Elle ressemble à Sonia. Ouais, non, non, elle ressemble à Sonia. Ouais, il y a un air, c'est vrai. C'est vrai, il y a un air. Si, il y a un air. Sonia, elle ressemble à... Tu veux qu'on appelle Sonia pour vérifier? Ben, si, elle veut bien. Dis-moi, Sonia, si elle veut bien. Sonia. Non, reste tranquille. C'est vrai non, qu'il y a un air. Faut pas tourner de ceux côté. Qui pensent qu'il y a un air, mettez top. Où sont vos panneaux? Ceux qui pensent qu'il y a un air de ressemblance, top. Ceux qui pensent quand même qu'il y a un peu. Il y a un peu de ressemblance. Voilà. DJ qui ont fait les femmes d'ici. Yasmine, nous tous on est ici. Toi, tu as décidé d'aller là-bas. Non, c'est comme ça. Georgia, on est arrivé. Merci. Tu sais, un homme qui a deux femmes, il est toujours en train de régler des problèmes. C'est ça. Donc, avant de revenir au problème de foyer que je vis ici, on va aller directement dans le Nzassa. Medley. Nzassa. Ma création, ma révélation et la tombe.
qui donne la chair de l'œuf. Franchement. Oh. La chair de poule. La chair de l'œuf. De poule. Poule sort de l'œuf. Non, c'est l'œuf qui sort de la poule. Non. Poule aussi sort de l'œuf. Non, c'est l'œuf qui sort de la poule. La poule. OK. Hey, ma chérie, tu as jeûné. Tu as vite donné ta vie à Christ. Oui, vite. Hein? Très tôt. Non, la deux parents étaient bien. Non. Quand on va à l'église, on va te vendre. Bon, c'est ça. Donc, toi, tu as vite donné ta vie à Jésus. Oui. Tes parents étaient chrétiens. Ma mère était déjà chrétienne. Et pas déjà, je veux dire que c'est autour de... Lorsque j'avais 7 ans, qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Vous voyez, quand les mamans vont à l'église, elle ramène tous ses enfants. Catholique, donc, évangélique. Évangélique, chrétienne évangélique. Et tu allais avec elle à l'église? J'allais avec elle à l'église, je la suivais et puis après, chacun fait sa... Sa voix. Voilà, chacun trouve sa voix et puis on a tous trouvé la voix. Tu as choisi la chorale? J'ai pas choisi la chorale. Pour moi, c'est plus un appel. On va dire, dans notre jargon, on appelle ça un appel. C'est-à-dire, c'est Dieu qui m'a appelé, qui a donné cette voix-là. C'est ça que je voulais que tu dises, justement. Voilà. Mm-hmm. Parce que souvent, mais quand nous, on dit son Dieu, on ment. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi, Dieu t'appelle comment? Quand tu connais Dieu, puis il t'appelle, et puis nous, il ne nous connaît pas. Il t'a appelé comment? C'est pas trop dans les détails, mais c'est la voix, tu as entendu, tu as rêvé, tu as vu en songe. C'est une question. Alors, l'appel, ça se passe différemment d'une personne. Comme la Bible dit, Dieu parle d'une façon, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. Donc, moi, personnellement, j'avais 8 ans quand quelqu'un a dit à ma mère, ta fille va chanter. Ah, quelqu'un. Simplement. Ah, mais bon, moi, j'ai ressenti un frisson. J'ai juste dit ça, j'avais 8 ans, vous perdez le truc. Et puis, en 2001, j'étais le 31 décembre 2000. 2000. Vous avez quel âge maintenant, 2001? 31 décembre 2000. Si je dis mon âge, on calcule vite. Non, on calcule, donc c'est plus grand. De toute façon, chacun a déjà sa calculatrice. Il y a 21 ici. Ans, j'étais déjà un peu mature quand même. Mature. Mm-hmm. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta maison? Et j'ai entendu audiblement, tu dois chanter pour moi. Et à ce moment précis, moi, j'ai envie de te demander... On se tutoie, hein. On se tutoie, d'accord. Oublie, on se vouvoie. D'accord. Vous noie, je vous vois. Okay. On se tutoie. D'accord. À ce moment précis, oui. Ce que tu ressens quand une voix te dit, tu dois chanter. Oui. Si tu dois traduire ça par une sonorité, par une voix, par un chant, en 30 secondes, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Je m'abandonne à toi, je t'appartiens, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux, simplement. Il n'y a pas meilleure condition pour aller à la pluie. Et les petits vacances viennent pays. Nous sommes avec Georgia. Mais comment il faut créer l'équilibre parce qu'il y a trois femmes, il y a trois dames et puis il y a un seul moi. C'est pas vraiment, c'est un peu déséquilibré, donc on va créer l'équilibre. Et pour cela, je vais appeler mon futur invité, mon autre invité qui est arrivé. Lui, c'est quelqu'un qui a du parcours avec le micro. Il a chanté avec des grands noms de la musique, des gens que vous aimez ici, que vous connaissez. Et aujourd'hui, il est de passage à Abidjan. Nous, on s'est dit, non, champion, tu ne peux pas passer comme ça. Ezala qui n'a pas passé, Eza m'a arrêté, Eza m'a venu dans l'émission. Eza m'a pourquoi? Ah ouais. Mesdames et messieurs, il va venir d'abord, après vous allez le découvrir. C'était quelqu'un qui fait des choses belles avec sa voix. Il est là, mon ami Dolce. Bonne arrivée, Dolce. Bonsoir à tous. Yes. Papa Nassar. Je vous explique. Dolce, c'est mon ami. Voilà, c'est mon ami, ça vous fait mal, mais ça c'est votre problème. C'est mon ami. Il a chanté avec Koffi Olomide. Ouh. Il était dans le quartier latin de Koffi Olomide. Mm-hmm. Et puis après, ils se sont développés, ils ont créé le quartier latin, son Academia. Mm-hmm. Voilà. Okay. Ah, quand tu dis c'est vrai que tu as compris. Donc, ouais. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a chanté au Zénith, il a fait Bercy, il a fait. Doudou, pas même prêt pour toi aujourd'hui là. André, ça dit que tu fais, il a fait le mec bon. Il a pas fait, oh. Bon. Il est parti, oh. Il est au Bongola, oh. Nazalika. Oza Bakitoko. Ah!
pas vraiment s'apologie, n'a pas sapé, hein. Allez, Zango, on a invité Nazaré na brillant, brillant. Hein? Nazaré na brillant, brillant, Nazaré na Congo, quand même. Oui, anniversaire à 14h. Quand même. Oui, oui, veille au plus. Alors, les amis, pour permettre à tous ceux qui sont en train de se demander, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, de savoir si c'est vraiment lui. Parce que moi, je sais, nous savons que c'est lui. Donc, vous allez savoir que c'est lui avec le Nzasa. Règle. Bon arrivé, mon frère. Merci, 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 Abidjan. Ça se passe bien, Abidjan? Abidjan est doux. Oh. Moi, j'entends Dolce Parabolique. Je veux savoir d'où ça sort. Pourquoi vous appelez Dolce Parabolique? Dolce, parce que je suis douce. OK. C'est en italien. OK. Et parabolique, c'est parce que je pense à capter toutes les inspirations. OK. Qui vient des... Une antenne parabolique. Et pourquoi Dolce Abidjan? J'ai été mandaté par tous mes amis du groupe Academia de venir à Abidjan pour refaire ce qu'on avait fait ici il y a 20 ans. OK. Donc, de vieux souvenirs, quoi. OK. Il y a 20 ans, on était là pour l'inauguration des Palais de la Culture. Oui. On s'est concerté avec tous les amis de Academia, Quartier Latin Academia. Oui. Ils m'ont dit, bon, comme toi, tu vas passer à Abidjan, va demander aux Ivoiriens et aux Abidjanais qui nous connaissaient depuis l'époque que nous, on a besoin de leur offrir une grande soirée. Et si on peut les refaire à Palais de la Culture avec tous mes amis, là. Parce que tout le monde, tous les leaders, là, ils sont là. Et chacun, il travaille dans son coin. Alors, c'est une histoire intéressante. On va revenir dessus, on va décortiquer dans tous les détails. Mais Ezaba, présentement, on a envie d'aller dans le voum. Le Congo, le voum. Ça. Le coup de fil. Ouais. Le coup de fil, voum, 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 voum. Parabolico. Le papo de... Pola. Les papos sont paraboliques. Oui, yes. J'ai toutes les intentions de capter tous les papos qui se passent à l'extérieur. C'est que ce qui ne me concerne pas, il m'a bougé dedans. Et puis vous n'allez rien dire, vous n'allez rien faire. C'est mon travail, je suis là pour ça. Je vais revenir sur l'affaire de Teg, parce que hier, vous m'avez dit, Paula, ça n'a pas bien expliqué. C'était. Qui a dit, hein? Vous voyez, vous aimez bien l'affairage. Ils ont dit, tu n'as pas bien expliqué. C'était allé, j'allais trop vous. Donc je reviens dessus. Je dis, c'était chaud. Concert de Teg. Le gars arrivait sur scène. Il a demandé qui veut monter sur le public. Il y a une go qui a monté sur le public. Elle a fait les jeux de rein, les makossa. Enfin, sur la scène. Hey, sur le public, mon cher. C'est elle a monté sur la scène. Elle a fait les jeux de rein, les makossa. Elle a fait bisous. Dès qu'elle a soulevé, qu'elle fout. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On voit ça sur les réseaux. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je dois avoir l'information. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Tech. Je dis, allô, Tech. Ce que tu as créé, c'est très mauvais. Parce que la fille ici, en ce moment, elle est en train de pleurer. Son gars veut la quitter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé sur la scène? Il dit non, je lui ai dit, ne pense plus à lui. Ne pense plus à lui. T'as fait du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi, tu t'es battu. Reviens à moi. La fille a dit, OK, je viens à toi. Elle est arrivée. Je dis, OK. J'ai appelé la fille. Voilà. Je dis, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, oui, en fait, c'est vrai, il m'a juste invité sur le podium, nanana, j'ai juste dansé. Quand le concert est fini, je suis rentrée chez moi. Et tu es rentrée chez toi, elle dit, il dit, mais là, ton gars, il dit quoi? Il veut te laisser ou même pas te laisser? Elle dit, non, il est fâché, pour l'instant, il est fâché. Il est fâché, il m'a pas encore laissé, mais pour l'instant, il est fâché. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le gars, je dis, allô, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veux-tu laisser la fille? Ça, c'est la chose de l'émotion. Tu vois, souvent, tu admires les gens à la télé, tu les vois, tu veux sauter sur eux. C'est pas méchant. Il dit, je lui ai dit, ne pense plus à moi. S'il te plaît, ne pense plus à moi. Tu allais te faire monter là-bas, tu aurais descendu. Donc, toi et moi, c'est mort. Yimi, 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 yimi. Yimi, yimi, yimi. La popo! Non, j'ai demandé pardon au gars. Vraiment pardon. J'ai rappelé tes concours.
Mais le papa vous dit quoi? Ça, c'est en nous. Mmh. On va continuer avec Tiwa Savage que j'ai eu au téléphone. Vous savez, je suis une fille, j'ai des relations, j'ai des antennes paraboliques. Mmh. J'ai appris que Tiwa Savage a eu son diplôme, je crois, en communication, un doctorat, en comptabilité. Tout... C'est que les gens vont à l'école. Les gens arrêtent de le faire à l'école pour aller chanter. Quand ils deviennent stars, ils retournent à l'école. Abidjan, ils en ont vu ça. Magic System, en ce moment, je crois, il a repris ses études. Il y a Venom Cascado aussi qui a repris ses études. C'est-à-dire que dans la vie, quand on vous met au monde. À Salfo de Magic System, ouais. On vous met au monde, on dit allez à l'école, vous partez à l'école jusqu'à un moment, vous dites vous partez plus à l'école. Vous voulez chanter. Vous chantez jusqu'à. Quand vous êtes trop rassasié de chanter, vous dites que vous voulez retourner à l'école. Non, au départ, ils sont allés à l'école. Maintenant, ils veulent aller en classe. Si voilà, tous les jours ils étaient en classe. Tous les jours ils étaient en classe, jusqu'à quand ils ont donné diplôme de quelqu'un qui est toujours en classe. Diplôme honorifique. On dit tous les jours en classe. Donc ça là, c'est pour elle d'en apprendre. Elle a appris. Félicitations à elle. On va terminer avec l'unité de mesure de la Côte d'Ivoire tout entière. Et même de l'Afrique, j'ai envie de dire. Emma l'Ouest, ça. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Emma l'Ouest est partie en vacances. Elle a mis en partance pour les vacances. Mon Gmoyi, family first, always. Bon, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ceux qui ne comprennent pas trop anglais, ça veut dire que ma famille, en premier, tous les jours, ma famille, c'est que c'est eux, mon Gmoyi. Mais il n'y a rien qui est bizarre. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre? Dis-nous. Parce que sur la photo, là, je vois les gens, mais je ne vois pas Ozoa. Where is Ozoa? On parle de famille. Famille. Ozoa qui se bat au front, qui est sur tous les dossiers. Dès qu'on touche Emma ici, un peu net, au moins Ozoa est là. Il est chez sur la photo, je ne vois pas Ozoa. Donc qu'est-ce qu'il a fait? J'ai appelé Ozoa ou Emma? Attendez, oh, c'est mélangé. J'ai appelé d'abord Emma. J'ai dit, allô, oui, comment ça se fait-il que tu es parti en vacances? Tous les jours, tu es en vacances, tu vas pas avec Ozoa, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, oh, tu sais, je suis en vacances pour là, je ne peux pas trop t'expliquer, mais dès que je rentre, je te dis. Je dis, ok, comme c'est entre toi et puis Ozoa, qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle Ozoa. Je dis, allô, Ozoa, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, tu n'es plus dans la famille d'Emma, puisque. Elle dit, oh, tu sais, là, la vie, vous êtes bréchés. Vous voulez savoir. Non, elle m'a dit que, en fait, elle va m'expliquer, mais demain. Aïe. Bon, maintenant, qui a fait les photos? Ben, moi, je pense que c'est Ozoa qui a fait les photos. Non, c'est l'hôtesse, parce que j'ai eu l'hôtesse au téléphone. J'ai eu l'hôtesse au téléphone, elle m'a dit qu'elle a fait les photos. Elle a fait les photos et qu'elle a les informations de sous-sus concernant ce qui se passe entre Ozoa et Emma. Elle va m'appeler pour me dire ça. Mais vous savez, en ce moment, il y a trop de personnes qui m'appellent. Donc ma ligne est un peu. Tu vois, non? Il n'y a pas trop de place pour recevoir les appels. Donc quand je reçois, je vois. Voilà, Jairio! Voilà, Jairio! Voilà, Jairio! Merci beaucoup, Bola. Avec toi, on apprend beaucoup. Yeah. T'as vu, non? En fait, moi-même, j'ai envie de m'inscrire dans ton réseau. Où tu appelles? C'est pas facile. Tu n'as pas vu sa téléphone ouverte. Elle a 5 téléphones. Elle m'a toi seule. Tu fais quoi, les 5 téléphones? Elle disait, vous. Les appelages. Les appelations. Non, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez les informations. Je suis là pour vous. Je travaille pour vous. Appelez-moi seulement. C'est la belle bien mouche. La belle et somptueuse Bola est là. Alors, avant de revenir à mon frère, je vais d'abord vers ma sœur. Okay. Ma sœur, vous avez un concert. Oui. Vous avez un concert. Oui. Vous avez un concert. Oui. Donc vous allez chanter dans le concert. Oui. Et c'est quand? Le 21 août, à partir de 14h. Le 21 août. On est quand? Donc ce dimanche. C'est dimanche là. Ce dimanche, si. Le dimanche de cette semaine. Hein. Oui, de cette semaine. Vient, là. Oui. Dimanche tout près là. Oui. Ah, d'accord. C'est à Yopougon Trois-Rouges, à l'église E-E-R-A-C-I. Donc, je pense que c'est l'église du réveil. Non, si tu vas à Yopougon, que tu rates un E, tu ne vas pas te montrer l'église. Si tu rates un E, c'est pas bon. E-R-A-C-I. Donc, je pense que c'est l'église du réveil à Yopougon Trois-Rouges. Et ça promet quoi? Des délivrances? Ça promet. Le thème, c'est cœur à cœur. Donc, déjà, ça promet un temps d'intimité avec Dieu. Ah, quand moi j'ai vu cœur à cœur, je me suis dit, est-ce que c'était pas une histoire de Saint-Valentin amoureux? Mais la vie chrétienne même, c'est une affaire d'amoureux. Oui. Nous sommes l'épouse de Christ. Voilà. C'est ce que la Bible dit.
Donc, c'est une affaire d'intimité. C'est une affaire, c'est-à-dire quand Dieu a sa main sur vous, quand vous acceptez le Seigneur, vous devenez l'épouse de Christ en quelque sorte. Donc, vous matchez avec lui. Vous communiez avec lui. D'accord, donc c'est pour ça même que moi, je voulais te demander, mais pas, c'est tout ça là qui fait que ça me fait bizarre. Hey, Yacho, tu es bizarre. D'accord. Donc, au fait, on dit souvent que les gens qui sont des chantres, ils tombent beaucoup. Parce que tu sais, les chantres, c'est un mystère qui est lourd. Pourquoi attaquer? Beaucoup. Ils aiment sortir entre eux. Seigneur, mais là, demande-lui d'abord. Demande-lui. Je n'ai pas péché pour que Dieu me punisse au au paradis. Mais. Yacho, demande-lui. Hein? Attends. Oui? Elle est chante ou bien elle est chanteuse gospel? Voilà, toi, tu es comme que les KS Bloom, là, ou bien c'est comme... Je suis chante. Je suis chante. Vous êtes chante. Je suis chante. Chante, c'est quoi? Comme les chéquines. Je suis chante. Je suis également chanteuse. On peut dire artiste gospel. Tout dépend de... L'appellation. Voilà, des appellations. Je ne vais pas rentrer dedans. Je suis chante. Chante. Oui. Mais on dit vous tombez beaucoup là-bas. Est-ce que c'est vrai? Parce que Lucifer, qui est Satan lui-même, est un grand chante. C'est vrai? Mais la tentation fait partie. Yachou, il faut créer ton église, oh, c'est ça qui nous reste. Yachou, voilà, voilà. Bon, Yachou, c'est le temps que tu trouves des solutions avec ta sœur pour revenir vers nous, moi, je vais vers mon frère. Ah, la question est là. Okay. Oui, la question, on va... Ici, là, on répond à tout. Tant que c'est Yachou qui répond. Je vais tomber, oh, Seigneur, l'onction. Chez Kaba. Donc, tu es parabolique. Ouais, Zungu. Oui, quand je vous vois, ça me rappelle tous les gars qui étaient dans l'équipe. Lebou, le guitariste, paix à son âme. Paix à son âme. Oui. Il y avait aussi Burumbela. Burumbela. Burumbela, oui. Il y avait aussi un gars qu'on appelait Lipassa. Moshi Lipassa, la Moshi Lipassa, ouais. T'as la cou comme moi. Voilà, tu fais la cou. Puis il y avait le vieux père Sam Titou. Sam Tintou, il est là. Il est là aussi, Monsieur il va bien. Samuel. Yeah. Il va et bien. Puis, il y avait un encore que moi j'aimais bien qui jouait à la basse, Patty Bass. Patty Bass. Patty Bass. Ouais, oui. Patty, c'est ah, c'est l'absolu de lui qui a dit Patty. Patty. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un nouveau. Vous êtes avant la génération Fally? Oui. Ah, d'accord. Oui, nous, c'est vieux. C'est le vieux père de Fally. Ça veut dire que. Il n'y a pas parlable entre vous et puis le grand Mopao, hein? Non. Nous, c'est les grands frères. Il est le patriarche aujourd'hui. OK. On peut dire. Donc, ça veut dire que par moment, quand vous avez des projets, il vous soutient un peu quand même. Il donne sa bénédiction. On n'a pas de projet pour l'instant ensemble. Oui. Mais sauf que quand il avait voulu jouer New Arena, et il nous a tous sollicités. OK. Et tout le monde est venu. Voilà. Mais donc, pourquoi vous êtes parti créer un groupe à part? Ouais, c'est un peu comme ce qu'on disait. C'était des anciens contextes. Quand on s'est créé son groupe, papa, tu vois, c'est d'une manière. C'était des anciens contextes. Ah, des anciens contextes. La vie était un peu différente. Oui, les contrats étaient différents. Ah. Et nous, on est vraiment. Vous avez voulu prendre votre indépendance car... aussi. Il y a ça, et puis on avait l'esprit de précurseur. Et Bongo, le Bongo. Et changer. C'est que vous voyez aujourd'hui des jeunes, et c'est nous qui avons commencé. Oui. Dessiner avec une maison de disques. Ah, d'accord. Et s'enlever dans l'indépendance des papas, je veux dire, les maestros. C'est ça. Oui. Donc, on voulait ça. Et c'est ensemble que vous avez fait Bercy, vous avez fait le Zénith, vous avez fait Olympia, vous avez même fait Abidjan le plus. Le gros concert de Kofi Abidjan, c'était avec vous. Oui. Papa, tu parles congolais? Le premier concert, c'est Abidjan. Lingala. Hein? Tu parles Lingala? Makasi. Ah, mais quand il a dit bongo, tu as fait n'importe quoi. Bongo. Mbongo, c'est pas l'argent. Comment on dit l'argent? Mbongo. Ah, Mbongo. Mbongo. Là, c'est Mbongo. Papa qui a donné ma Mbongo. Là, ça, c'est encore du Mbongo, OK? Pareil, comme façon, lui, nous fait d'une manière le jet ici. Là. Il y avait un peu ça. On avait fui, là. C'est ce que tu as dit. Il y avait un peu ça. Ah, parce qu'on nous a dit que dedans. Souvent, il y avait les problèmes, mais lui, mais on n'a pas voulu trop faire de buzz dessus, quoi. Ah. Comme c'est nos vieux problèmes. Mais on dit, t'es payé pas bien. Et puis, tu bon, t'es prêt. Pareil, c'est toi, tu as fait la plupart des grandes l'époque. Chansons. C'était l'époque. Mais tu ne touchais pas. Ou bien? C'était avant. Ah, avant, il ne touchait pas. Mais maintenant, mais il te donne. Aujourd'hui, il te donne l'argent. Aujourd'hui. Ah, ouais, tu te cherches. Je ne travaille plus avec lui. Oui, c'est vrai. On va laisser tout ça. Hein. Vous avez travaillé avec lui, c'était bien, tout ça. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quels sont vos rapports avec lui? Des grands frères. Vous parlez, vous vous appelez parfois si. Oui, des fois. Quand on a eu des problèmes, on s'est appelé. C'est lui qui a organisé la messe pour les bouts. Et je l'ai appelé aussi quand il avait perdu notre maman. Sa mère. Okay. Moi-même, personnellement, j'ai pris mon téléphone pour lui dire que je suis avec lui, j'ai compatis avec lui.
D'accord. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce côté-là. Moi, je veux... quand l'époux est décédé, c'est lui qui a fait la messe. Qui a, qui a fait... C'est lui. C'est lui qui a convié ses messes. Mais moi, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qui a fait la différence entre Fally Ipupa et vous? Parce que Fally Ipupa est quand même la seule personne qui a quitté le groupe de Koffi Olomide et qui, wow, qui s'est exporté. Mais de nous, partout. On avait démarré très, très fort. Parce qu'on avait Puisque signé... Fally... On a... C'est nous. Quand je dis précurseur, ça veut dire avoir une grande maison de disques qu'on appelle Major. Major. Ouais. C'est nous. D'accord. Avec secteur A. D'accord. C'est l'époque. 1999. C'est trop doux. Donc, on va à la... Ici, Vacances UNCI, nous sommes avec la chante Georgia. Et mon ami personnel, Parabolique Dolce. Voilà ça. C'est ça qui va se passer. Il va nous envoyer ça. Et puis Dolce va sortir quelque chose dessus. Quand même. Ouais. Isaac après. Si, Naz après. Oui. Le public, est-ce qu'on Sabina. Mobondo Sabina. Mobondo Sabine. Mobondo Sabina. Les enfants n'ont pas vécu ça. Nous vécûmes. Je ne suis pas trop convaincue de lui. Hein. Parce que moi, je connais un peu cette époque-là. Mm. J'ai quatre petites danses. Tu vas me faire. Parce que moi, j'ai été défi en danse. Tu vois, je suis pas venu m'amuser. Non, tout à l'heure, non? Non, j'ai le défi tout à l'heure, boulé même. Mm. Moi, danser comme ma petite la boîte. Oui, Adjoa me parle dans mon oreille. Adjoa, qu'est-ce que tu dis? Elle n'a pas répondu à sa question. Hein. Tu peux répondre à ta question? Adjoa, ma question. Adjoa dit qu'au lieu de mettre ça demain, on va faire ça en même temps. Adjoa, c'est maintenant que je vais aller danser. Donc, ici. Adjoa, sans bien temps. Et Adjoa, tu dis quoi? Non, ça sent les chaussures, hein. C'est la télé vacances. Yachou a dit qu'elle va défier Dolce Parabolique. Parabolique. La parabolique est placée avec ses antennes paraboliques. Oui. Et là, Yachou aussi est placé avec sa whatever style. Donc, quelque chose va se passer. Oui. Et à la caméra, nous avons Paula Vouvoum. Hein? Voilà. Donc, papa, on va envoyer ça comme Paula dit vous. Mm. On commence par Chamoukouale. Toi, tu disais que Chamoukouale. Ouais. On est parti. Tape-moi Chamoukouale. Doucement, parce qu'on va entendre sa voix. Chamoukouale, papa, besambo. On y va. Wow. Chamoukouale, papa, besambo. C'est bon, viens, je travaille pour toi. Non, moi-même, je travaille pour toi. Viens. Moi, vraiment, amusant quand l'émission allait finir. Voilà. Oui. Champion. Viens. Voilà. On peut chasser quelqu'un comme ça. On applaudit Yachou. Toi-même, on a vu comment tu danses. Maintenant, on veut que tu nous avons dans les enfants la danse. Oh, ils aiment danser, mes enfants. Beaucoup mieux. Hein? Oui, ok, d'accord. L'enfant là. L'enfant là danse, oh, il danse. Il danse, oh, il danse. La danse.
danseau, il danse. Alors, aujourd'hui, comme à nos habitudes, on va vous faire voir certaines vidéos. Et dans chaque vidéo, vous avez trois candidats. Nous commençons par la catégorie enfant. Et pour le premier candidat, c'est Zeba Hassan, qui a 3 ans, qui est au CP0. CP0, là, mais ça veut dire quoi? Il a dit, Jean, il n'a pas encore fait CP1. Hein. Et puis, bon, il doit aller au CP1. Hein, il est au jardin, là où c'est pas moi, les gars. Et pour le voter, c'est l'émoji qui dit, comment on rit? Là, chante. D'accord. Deuxième candidat, Koulibaly Mariam, qui a 8 ans, qui est en CE1. Et c'est l'émoji solidaire. Et le troisième, c'est Dembélé Rabi Bibata, qui a 6 ans, CE1. Et c'est l'émoji cœur. Et c'est maintenant. Votez sur la page Facebook, la nouvelle chaîne ivoirienne. En ce moment même, nous sommes en direct. Mettez les cœurs et partagez au maximum. On va maintenant dans la catégorie ado. Et nous avons Sidi B. Daouda qui a 13 ans, qui est en classe de 5e. Et pour le voter, c'est l'émoji qui rit, la gospel. Alléluia. Et oui, deuxième candidat, c'est Makwa Esther Bernice qui a 12 ans, en classe de 4e. Et c'est l'émoji solidaire avec le cœur. Et nous avons l'émoji cœur. Maintenant, pour voter, pour qui? Pour Goeli B. Goué Sidney qui a 16 ans en classe de seconde. Ah, et ça, ce sont les adolescents. Deux catégories. N'oubliez pas, il vous suffit juste d'aller en dessous de toutes les vidéos, enfin de chaque vidéo, du candidat que vous aimez le plus et voter selon l'émoji qui lui va, qui lui a été attribué. Alors, je vous rappelle encore le numéro pour ceux qui veulent toujours participer à ce jeu qui est le numéro qui est le 05 44 04 23 23. 05 44 04 23 23. N'hésitez surtout pas à nous ramener vos vidéos. Et bien sûr, pour la finale, vous gagnez quoi? Ben, la scolarité entièrement payée par cette chaîne qui est sur la 204 du Bouquet Canal NCI TNT numéro 4. Voilà. Yacho, il y a une question qui était suspendue. Oui, oui, oui. Oh, ça voilà, on va faire atterrir la question. Merci. Et la réponse viendra. D'accord. Donc, pour ne pas que les gens se demandent, c'est quoi, la question là, c'était voilà. Quoi? Tu ramènes la question. Le nom, on ne prononce pas deux fois. Bon, le monsieur qui a dit, il était à côté de Dieu. Bon, je viens. Dans la Bible, dit que Satan ou Lucifer était un ange de lumière. Mm-hmm. Après, je peux me tromper. Et que c'était un grand chanteur. C'est-à-dire que lui, il était là que pour faire des adorations. Chanteur ou bien chanteur? Chanteur, hein, c'est chanteur ou chanteur, peu importe. Mais il faisait c'est les adorations. C'était un adorateur, ange. Il adorait Dieu. Jean, tu es grand, tu es au-dessus de tout. C'est toi le Dieu. Il son atalakou, quoi. Voilà, et puis il était très beau. Mais comme c'est un ministère très difficile, il paraît qu'il n'a pas eu bon cœur. Donc il a pris un groupe d'anges et puis ils ont été déchus, ils sont tombés. D'accord. Donc quand les personnes vont à l'église et qu'elles sont chantres, en général, il y a toujours des problèmes. De scandales de sexe, l'autre a enceinté l'autre, l'autre n'a pas enceinté l'autre. Et en général, mais les pasteurs s'en plaignent quelques-uns. Qu'est-ce que vous dites de ça? Waouh, déjà, je pense que c'est une question qui est très bienvenue, parce qu'il y a beaucoup de clichés aussi. Mm-hmm. Beaucoup de clichés, beaucoup de choses qui sont dites. Moi, je vais parler de façon générale pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont soumis à la tentation. C'est aussi simple que ça. Que vous soyez pasteur, que vous soyez... Plus vous servez Dieu, plus vous êtes élevé en dignité, plus il y a des choses comme l'orgueil, tout ça, qui peuvent vous ramener plus bas. C'est ce qui a été le cas, par exemple, de Lucifer, qui est devenu Satan. L'orgueil, il a été enflé d'orgueil, et puis Dieu l'a ramené
plus bas que terre. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un cliché que oui, les chantres, ils tombent beaucoup plus parce que, comme ils font le ministère de l'adoration, ils sont... Non, tout le monde peut tomber s'il n'est pas, s'il n'a pas une vie, pas une vie de sanctification. C'est pourquoi on parle de discipline personnelle, de discipline en tant qu'enfant de Dieu et de vivre une vie de consécration. C'est ça le secret. Donc, comme la Bible dit, fuyez le péché. On ne joue pas avec, on ne cause pas avec. C'est aussi simple que ça. Ça dit que le fait qu'on soit chrétien, le fait qu'on soit croyant, ne fait pas de vous quelqu'un qui est dans une cage et puis il peut être atteint. Non. Il faut que vous soyez obligatoirement tous les jours dans l'intimité avec Dieu. Oui. Rabaissez-vous, faites-vous petit. Il ne faut pas que votre orgueil vous grandisse, non. Succès et puis insolence, ça ne va pas ensemble. Non. On peut avoir du succès, on peut avoir de la renommée et puis être humble, simple. Demeurons dans l'humilité. Vers les promoteurs. Voilà. Il y a beaucoup de chantres comme ça. Hein. Les groupes ils sont cassés. Tout alors, ça. Yachou, je viens vers les organisateurs du spectacle. D'accord. C'est vous ? Mais venez, mon ami. Tu ne peux pas organiser ce spectacle, puis toi-même, tu ne sais pas si c'est toi. Alors, qu'est-ce que vous promettez pour le concert ? Alors, de façon... C'est pas toi qui vas chanter, hein. C'est elle qui va chanter. Mais bon, toi, ouais, regarde la caméra qui est là-bas. Voilà. Alors déjà, en fait, c'est un temps d'adoration, un temps de contemplation et de célébration. Amen. Et à ce temps-là, il y a plusieurs chantres qui sont invités, dont l'une des chantres principales même, c'est Georges Anguille. Alors, c'est un temps, en fait, de où on vient, on abandonne tout ce qu'on a à faire, juste pour contempler les merveilles de Dieu Amen. Dans notre vie. Amen. Juste pour adorer Dieu. Et à la fin de ça, on ne promet pas forcément le travail à quelqu'un, non, mais on promet surtout une connexion puissante avec son Dieu. Voilà. Wow. Merci beaucoup. Moi, je vais partir hein, parce que nous, on a des demandes, on ne voit pas. Non. Il faut rester ici. Faut non, je vais partir. Qu'est-ce que je cherche sa délivrance sur la terre là. Tu vois, je suis assis ici là. Il fait aussi aller faire. Toi, tu es livré déjà. Non, je vais aller là-bas. Je vais aller, vous me délivrer. Très souvent en Côte d'Ivoire. Tu vas beaucoup. Tu viens souvent quand même. Non, ces derniers temps, ça fait 19 ans que je n'ai pas mis le pied ici. Ça fait 19 ans que tu n'es pas venu. Wow. Ah. Ça veut dire que ce voyage que tu fais maintenant, c'est un voyage qui te tient vraiment à cœur. À cœur. Okay. J'ai dit, il faut que... Parce que je vous suis, c'est NCI, Pola, Zongo, vous-même. Et Yachou, ouais, Yassou, Yasmine. Je le suis sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, je suis. Ah, d'accord. Je suis tout ce qui se passe. Je me suis dit non, quand je vais arriver, il faut que je vois. Quand même, il faut que tu viennes voir la famille. Alors. Pour en revenir en fait à la chanson, moi j'aimerais. Est-ce qu'un jour on peut s'attendre à vous retrouver dans le gospel? Vous pouvez chanter pour Dieu? Mais c'est pas prévu. Non, mais on chante déjà ça. Ah bon? Oui. Nous, on chante. Mais on a chanté, par exemple, Seigneur, yondo ye biba pasinga ina mona pona yo. Yondo ye bi ko singa manga ina singa ma pona yo. Yesu ye ye ye. Papa langa ye. Alors aujourd'hui, préparez vos pronostics. Aujourd'hui, on va parler de tatouage. Dans le top ou flop aujourd'hui, il y a l'INJS qui a lancé il y a le concours d'INJS en ce moment. Et selon ce que j'ai appris, après je peux me tromper, hein, mais en tout cas, vous savez que moi, mes informations... Non, toi, tu ne te trompes pas. Sont généralement le sous-su. Voilà. On dit que les candidats à l'INJS sont tatoués ne pourront pas être candidats. Enfin, qu'est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai parlé français? C'est pas grave. Ça veut dire que si tu as tatoué ici, toi, que tu vas à l'INJS, on ne te prend pas. Oui. Tu ne seras pas, tu pourras pas être... Ah, tout le monde est tatoué, bien sûr. Est-ce que selon vous, c'est un top ou un flop? De décider de la carrière de quelqu'un juste à cause de son tatouage. Est-ce que c'est normal que si quelqu'un a tatoué sur son corps et puis vient à INJS pour poser sa candidature,
on ne le prend pas. Mm-hmm. Juste parce qu'il a un tatouage. C'est ce que l'INGS aussi fait aussi. L'INGS, c'est une école qui forme les sportifs. C'est un les handballeurs, Institut national de la jeunesse et du sport. Institut national de la jeunesse et du sport. Donc, on veut voir, on veut voir, on veut voir, on veut voir, on veut voir les pancartes. Pour vous, c'est un top ou c'est un flop? Top. Top, top, flop. On va demander aux gens pourquoi ils disent... On va vous demander. Top. Oui, moi, je veux savoir pourquoi top. Oui. Qui? Oui. Tu dis top, non? Hé, hey, viens, mon micro. Voilà. Pourquoi? Tu as dit quoi d'abord? Top. Top, oui. Tu es d'accord? D'accord. Pourquoi tu es d'accord? Je suis d'accord parce que je me dis que l'INGS est un institut de formation qui forme les enseignants. Et donc, ceux-là qui doivent servir d'exemple ne peuvent pas aller s'arrêter devant les enfants des gens avec des tatouages sur leur corps. Merci beaucoup. Voici flop là-bas. Quelqu'un a dit flop. Oui. Toi, viens ici. Tiens. Petit. Elle a dit top. Moi, je viens vers elle, elle veut changer. Voilà. Moi, personnellement. Non, là-bas. Moi, personnellement, je ne suis pas pour le tatouage. Regarde là-bas, mais je trouve que ce n'est pas parce que j'ai mis un tatouage qu'un élève va me suivre. La vie, ce n'est pas le suivisme. Mm-hmm. Voilà. Si le professeur a un tatouage, mm-hmm. l'élève ne va pas forcément avoir le tatouage. C'est pas pour ça que vous allez... Excusez-moi. Non, vas-y, hein. Nous, on t'écoute. Oh. C'est comme si c'est toi qui parles. On te voit au quartier. Ce n'est pas pour ça que vous allez empêcher quelqu'un à avoir un travail, mais ce n'est pas bon si le tatouage n'est pas bon. Je ne dis pas que c'est bon. Donc, vers la fin, tu es de quel côté? Vers la fin, je suis... Pour la liberté de tous et de chacun. Voilà, merci. Alors, les invités, qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas dans le cadre artistique, hein? C'est une école, une grande école. Tu rentres, tu sors professeur. Et mm-hmm. l'école a décidé que maintenant, là, les gens qui doivent venir poser les candidatures, s'il y a tatouage sur ton corps, tu es éliminé. Tu es éliminé voilà. d'office. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que ça doit être revu? Wow. Ça, on opinion, commence par moi. Allez-y. Oui, c'est vous, la dame. Écoutez, comme elle disait, c'est vraiment la liberté de chacun. Il y a des gens qui ont mis des tatouages, qui se sont fait tatouer à 15 ans. Elle a mis qu'elle aimait son petit ami. C'était un geste de folie. Et puis ouais. aujourd'hui, elle a 25 ans. Elle ne peut pas entrer parce qu'elle a un tatouage. Je pense que c'est sévère comme décision, personnellement en tout cas. OK. C'est la même chose, je vais dire, comme ma sœur. Mm-hmm. C'est pour devenir prof. Mm-hmm. Oui. Mais le prof qui est tatoué, là, déjà, il est sportif. Mm-hmm. Donc, ça n'a rien à voir avec la peau. Mm-hmm. Et ça n'a rien à voir avec l'éducation qu'il va transmettre. Mm-hmm. Parce qu'il y a plein de sportifs, mm-hmm. comme tout à l'heure ma petite elle a dit, mm-hmm. que sa façon de transmettre son savoir, mm-hmm. ça n'a rien à voir avec la peau. Parce qu'on connaît aujourd'hui des grands généraux qui ont fait la guerre, par exemple, en Irak, partout. Ils se retrouvent avec des tatouages qui veulent dire... son expérience, son parcours. Il y a des gens aussi qui mettent des tatouages pour se rappeler de la personne qui aimait, mm-hmm. qui est partie. Mm-hmm. Il met ça. Des fois, c'est son père. Mm-hmm. Des fois, c'est l'expérience qu'ils ont vécue avec des collègues du travail. Ouais. Donc, il y en a aussi qui mettent pour le fun. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir donc, vraiment. On doit permettre c'est à trop, chacun... C'est trop sévère. On doit se concentrer sur le rendement, oui. ce qu'il fait comme travail, ce qu'il dit, ce qu'il transmet, et non ce qui est sur sa peau. Voilà. Votre opinion. Sauf que l'IGF, sauf qu'ils peuvent commencer déjà oui. à véhiculer ça. Voilà. Dire que, chez nous, vraiment, c'est pas, on n'aime pas des tatouages visibles surtout. Okay. Mais ça, c'est ici, à l'INGS. Mais partout en Europe, même on dit on veut copier les Européens ou quoi. Il y a des boulots que tu ne peux pas faire hein, si tu as les tatouages. Oui. Même dans l'avion, il y a plein de choses où on t'interdit les tatouages. Voilà. Moi, personnellement, pourtant, ça va paraître bizarre. Je trouve que c'est très bien fait. Mm-hmm. C'est vrai, ça emmène une certaine génération à pouvoir avoir une certaine discipline. Exact. Parce qu'autrement, si chacun va aller faire un tatouage, excusez-moi de mamie ou à ta, l'autre a fait serpent ici, il vient enseigner ton enfant. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de parents, même avec la mentalité africaine qu'on a, qui accepteront que ce genre de prof. Imagine, tu vas chercher ton enfant à l'école et puis le prof va aller son tatouage avec le pain ici. Toi, mais ça te fait bizarre.
Toi-même, en tant que parent, comme on est un peu hypocrite, on dit que sinon, ce n'est pas bon. Merci à une NGS. On commence bien. Vive la Côte d'Ivoire. On va à la... Nous sommes très contents d'être avec vous. Nous sommes avec des invités spéciaux. Ils sont tellement uniques, chacun dans son style, chacun dans son feeling. Mais on les salue ensemble avec beaucoup d'ovations. Alors, aujourd'hui spécialement, on va vous envoyer découvrir le crack du jour. Ay, Dios mío, salto en. Jesús. No, él ya sabe, ya yo le mandé video eso. David, ya la Biblia. No, 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 está esto. Allá, hermano, vea, lo ve. À ne pas refaire ce soir, et vraiment, la partie qui est intéressante dedans, c'est que tu dragues une go, tu arrives chez elle, et puis elle dit non, ma grand-sœur est en train de travailler, alors on va attendre. Et puis tu vois, c'est travail, c'est que sa grand-sœur a fait, qui devient ta vie. Avant que la dernière machette va descendre là, tu vas me trouver. Mais ça, là, c'est pourquoi? C'est pour aller dans le record Guinness ou bien c'est pour faire buzz ou bien... C'est le sport. Elle va se blesser, hein? Non, elle ne se blesse pas. Elle a mis tout ce qu'elle a mis pour ce truc, les amis d'or du Sagittaire. Amis, elle s'assiste dessus même. Là, dis là. C'est son travail. Les Shaolin font ça, on est d'accord. Donc, chez nous aussi, là, il y a des femmes qui peuvent faire ça. Toi, tu peux faire ça. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Toi, tu peux faire ça. Alors, la famille, on va se séparer dans peu de temps. Je reviens quand même à vous par rapport à vos actualités. On ne sait jamais, tu es à Abidjan, est-ce qu'il y a une actualité, est-ce qu'il y a une information capitale que tu as envie de donner? L'information capitale, c'est notre grand concert qu'on prépare pour ces fins de l'année, okay, avec le groupe Quartier Latin Academia. Avec Quartier tout, Latin Academia. Avec tous mes amis là. Oui. Et c'est 29 octobre. Oui. Et je suis invité à APA Award. Ok. Par rapport à tous les organisateurs, mm-hmm, pour me décerner le trophée APA Award, le légende des animations, ce qu'on appelle communément Atalaku. Wow. Oh. Et c'est grâce à Walter Mounianya, Fabrice Combo, Private Jenny, Mimi et Tina Amber, mm-hmm, c'est eux qui sont des organisateurs des APA Awards. Okay. Ils ont décerné ça aux grands artistes. Oui, à des grands artistes. Lomide, Award, oui. À d'autres artistes aussi. Mm. Et cette année, c'est moi. Oh, félicitations. Merci à eux, quoi. Merci, merci, merci à APA Awards. Alors. Yebisanga, yebisanga. Na yebisa. Maman Georgia. Oui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ce dimanche, on vous retrouve à Yopougon. Oui, ce dimanche, avec le groupe Eden. Avec le groupe Eden. Beaucoup de, oui, chantres, dont je ne pourrais pas tout citer. Paul Charvy, hein, de tête comme ça. Ah, donc, en dehors de vous, il y aura beaucoup d'autres chantres. Il y aura beaucoup d'autres chantres. Comme le promoteur l'a dit. Oui, oui, oui. Il y aura beaucoup d'autres chantres. J'ai dit groupe Eden, j'ai dit Paul Charvy. Je crois que... Les organisateurs, peuvent, les, organisateurs, ouais, les organisateurs peuvent m'aider. Non, mais il est timide comme ça. Quand... Ah les organisateurs, il y en a d'autres qui a porté veste à lui, avec le pasteur. Voilà. Cite-nous, il y aura qui et qui. Voilà. Alors, pour ce grand événement que nous préparons là, oui, il y aura Paul Charvy, il y aura d'abord Georgia Angui. Georgia Angui, oui, voilà. Paul Charvy, groupe Eden. Oui. Il y aura aussi... Ah, c'est qu'on ne connaît pas, hein. Ah, les non, autres. C'est pas grave. Il y aura aussi Aaron Dibé. Ah. Aaron. Il y aura aussi la chorale même. De la chorale. Mm-hmm. Il y aura... Chance DJ. Chance DJ. Voilà. Okay. Elisha. D'accord. Elisha et... Bessin K2. Et l'autre, ils font... Et puis Yachou. Mmh. Voilà. Mmh. D'accord. De toute façon, ce dimanche, le rendez-vous est pris. Tout à fait. Voilà. Ce dimanche combien déjà? C'est le dimanche 21 août, donc ce dimanche. 14. Et nous avons des cartons ici justement pour vous.
Ah, ah d'accord, oh, envoyez le carton. Le pasteur, donne-moi mon carton. Le pasteur, donne-moi mon carton. Le pasteur, mon carton. Le pasteur, mon carton. Alors, voilà ce qui va se passer. En attendant que le carton arrive, vu qu'on a chanteuse quand même si c'est chanteur, mais c'est quand même quelqu'un qui fait de la voix, c'est oui, la chanson, et chanteur aussi qui est là, donc on va vous demander de venir ici, de façon spéciale, un petit freestyle improvisé, c'est Seigneur, comme ça, et moi je profite pour dire au revoir au public, on se retrouve demain à 18h30 sur NCI, ce sera encore le show, on va sur la scène là-bas. Bon, monsieur, vous pas... Master, voilà, va me remettre mon voilà, carton. Vous mettez tout ça, vous faites tout ça. Vous mettez tout ça, vous allez donner à femme. Je ne connais pas les paroles. Je ne connais pas les paroles. Mais toi qui connais mon... Je sais ce que je... Ils vont se mettre en scène. En français, je ne connais même pas, j'ai oublié en fait. Mais on fait quoi là? C'est pasteur. Pardon. Allez, les amis, sous vos ovations, ils sont en mon place. Petit, viens, viens. On va les écouter doucement. Viens. Le pasteur. Oui, merci, pasteur. Installez-vous, il n'y a pas de problème. Alléluia. Voilà, merci beaucoup. Alléluia. Bon ovation, le pasteur, s'il vous plaît. D'accord. Et on fait direction sur la scène. 1, 2, 3, go. C'est parti. Na sinama pona yo Yesu ye ye Toi allez Seigneur toi qui connais mon âme Seigneur oh mon Dieu toi qui connais la souffre oh mon Dieu Yesu ye ye Papa na na ye yo ne ye bi papa sinana mona Ba fina na bona yo Yesu ye ye Oh Seigneur toi qui connais mon Télévisie Vacances NCI c'est toujours un plaisir vous allez vous amuser nos limites vous allez danser vous allez sauter vous allez oublier vos soucis on vous dit à demain. C'est bon.